C'est une belle fête du volley-ball qui a eu lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Comblé, d'abord un, et de voir la jeunesse de la zone 3 au cours du volley, qui était tout enthousiaste. Pour moi, c'est la zone qui a gagné, c'est le volley qui a gagné. Pour la 9e édition de la Coupe des clubs champions de la zone 3 de la Confédération africaine de volley-ball, 15 clubs sont présents à Ouaga, 9 en hommes et 6 en dames. Au thème de la compétition, Ghana Police est sacré chez les dames et l'AS Douane du Burkina Faso chez les messieurs. Les finales ont connu la présence du ministre des Sports et du président du comité olympique du Burkina Faso. Et le public de la salle Omnisport de Ouaga a vu des renversements de situation pour les deux affiches. Chez les dames, Ghana Police l'emporte 3-7-2 face à l'AS Douane. La revanche se joue chez les messieurs. L'AS Douane est sacré 3-7-0. Et ça a été une belle compétition. Et je peux dire que la finale a été bien partagée parce que la police de l'équipe du Ghana et en dame a remporté la coupe et l'AS Douane du Burkina Faso homme a remporté une coupe. Donc on peut féliciter, se réjouir de l'organisation de cette compétition et féliciter tous les comités d'organisation, la fédération burkinabé de volleyball également. Au niveau de l'organisation, je voudrais quand même tirer un coup de chapeau à tout le comité d'organisation, à toutes les autorités de la fédération burkinabé de volleyball et du ministère des Sports pour l'hospitalité, pour l'organisation. Ensuite, par rapport au spectacle, nous avons vu qu'on a eu droit à deux belles finales, en homme ou en dame et en dame, des finales où on ne pouvait pas présager du résultat. C'est pour vous dire que les autres compétitions qui arrivent, nous avons du boulot, les athlètes se préparent déjà pour ça. Dans cette compétition, les représentants béninois sont 5. Finance, Alada et Énergie chez les masculins et Queens et Alada chez les féminins. Les performances des clubs béninois laissent présager du bon pour les années à venir. Finance a fini 3e chez les hommes et Queens 4e chez les dames. Alada et Énergie continuent l'apprentissage. Vous avez vu que l'équipe est vraiment jeune. C'est la toute première fois que nous sortons. Et il nous faut de ces expériences-là pour grandir. Je peux dire que c'est ce qui a fait que nous sommes passés à côté. Parce qu'on voulait opposer la force à la force. L'autre était, l'équipe adverse était un peu plus expérimentée que nous. Donc on n'a pas su gérer notre avance du premier set. Les équipes se valent, donc on n'est pas ici pour rien. Oui, c'est vraiment une déception puisque on était venu ici pour prendre la troisième place. Après le premier set, on était très engagé pour pouvoir prendre encore troisième set. Mais ce qui s'est passé sur le terrain où il y a eu des motivations au niveau des filles, on n'a pas compris. On a tout fait, mais on a perdu. Les filles ont donné tout ce qu'elles pouvaient pour venir en demi-finale. Il n'y a pas eu la récupération active avant le match de classement. Donc c'est ce qui a un peu joué aussi sur les filles. Le bilan, bon, c'est positif puisque c'est une équipe qui est construite cette année, qui est créée cette année. Et les filles ont eu du mal à rester en équipe, à jouer en équipe. Et cette première compétition a permis aux filles et aux dirigeants aussi de voir ce qui faut travailler à la longue pour revenir en force les fois à venir. Puisque en un an, on ne peut pas faire grand-chose. Le sport de haut niveau demande à ce qu'on travaille véritablement. Et cette compétition, c'est une expérience. C'est un résultat que nous devons analyser et revenir encore pour les fois à venir. Bon, je ne dirais pas que je suis déçu. On a perdu 7. C'est vrai. Mais on a constaté une amélioration au niveau du jeu présenté par les filles hier. Elles se sont bien corrigées. Elles ont pris le premier set. Après, elles ont commencé par Félicien encore. Bon, de petites erreurs. C'est le volleyball. Ça ne ment pas quand on commence comme ça. On devrait se mettre encore plus en confiance pour gagner les sets qui suivent. Mais l'adversaire a changé un peu par des petites lobes. Et ça a un peu désorganisé le jeu. Mais on est revenu après et ça s'est relâché encore. Bon. C'est le sport, quand on sait
on continue à faire des petites erreurs, ça paye. Rendez-vous est pris pour la 10e édition de la Coupe des clubs champions de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball.